Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Travis. Ça va, mon ref, tu vas bien? Au calme et toi? Impeccable, ça va, alhamdoulilah. Bon, déjà, on est où, gros? Ici, frérot, t'es à Saint-Priest-Bel-Air. C'est là où j'ai grandi. Ici, frérot, t'es à Bel Air 2. Ouais. T'es à Bel Air 2, B2. Et là, c'est la 29, c'est où j'ai clippé, je me balade. J'arrive, je descends du bat et voilà, je me balade, t'as vu? Je suis dans le quartier, je passe au Hanout. Elle veut être ma moitié, elle fume des gros caloutes. Je barre de la noche, je suis dans mon mood. Et toi, tu portes l'œil, pourtant, je suis dans l'ombre. Moi, c'est Dravis, jeune rappeur lyonnais. Je rappe depuis le collège. Il y a d'autres rappeurs un peu ici à Saint-Priest? Ouais, il y a d'autres rappeurs. Il y a le Chayman, il y a Rapsco, il y a Edav, il y a Bravis, et il y a Belvé, il y a Lamanis aussi. Grosse force à vous, les frères, voilà. Vas-y, venez, les gars, on va marcher un petit peu. Vas-y, go, go. Déjà, frérot, toi, t'as clippé où à Paris ici? T'as clippé un peu où? J'ai clippé au plateau, j'ai clippé là-bas, à B2 toujours. J'ai fait un clip à B1 dans un bain. J'ai clippé un peu partout. Je vais te faire découvrir de toute façon, je vais t'emmener, tu vas voir. C'est carré, mon gars, c'est carré. Bref. C'est les baqueux là, les Gaëtan et tout, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est les baqueux. Ils sont pas les bienvenus ici. Et t'ont déjà, bon, question habituelle, gros, ils t'ont déjà cassé les couilles pendant un clip ou quoi? Pendant un clip? Non, franchement, non. Non, franchement, jamais. Ils passent et ils tracent, on les calcule pas. Enfin, ils nous calculent pas, tu vois. Franchement, ils cassent pas les couilles sur ça. Là, frérot, on va passer au Hanout. Là, ça sera Vitaï alors. Ouais, c'est là, frérot. Ouais. C'est ici. Quoi, ça a fait des petites prises de clips un peu ici, ou quoi? Frérot, je me balade, je rentrais dans le Hanout là. Je suis rentré, j'ai pris une boîte, je suis ressorti. Après, je marchais un peu dans le quartier, tu vois. Et voilà, frérot. Et quoi, je me balade, c'est celui qui a le mieux pris? Je me balade? Non, c'est le 6-9. C'est lui qui a le mieux pris, ouais. C'est le 6-9, frérot. Et Saint-Priest, justement, est-ce que tu trouves que c'est bien représenté dans le rap lyonnais, genre? Dans le rap lyonnais? Ouais, ça arrive fort, il y a beaucoup de talent ici. Ouais, il y a beaucoup de talent, notamment dans le foot aussi, t'as vu? Ah, il y a qui, tiens, par exemple? Dans le foot, il y a Stéphane Gérard, grosse force à lui, mon frère. Il est footballeur professionnel, t'as vu, il joue à Lorient actuellement. Il y a Ahmed Guettaf aussi. Il joue à l'AS Saint-Priest, et voilà, il y a beaucoup de talent, frérot. Moi, c'est Imen, frérot. J'ai commencé le rap il y a pas longtemps. J'ai envoyé des sons il y a pas longtemps. Pour l'instant, je balance des freestyles sur Insta. Et voilà, on continue. Ça a un feat un jour avec. Ouais, Inch'Allah, ça se verra, pourquoi pas, avec plaisir. Voilà, c'est la famille. T'as fait combien de clips toi au total? Actuellement là j'en ai 5 à mon actif, frérot. Ouais? Ouais, j'en ai 5. J'ai sorti mon sang en juillet, frérot. Pour un premier clip, j'ai vu que, t'as vu, ça avait pas mal bien pris quand même. T'as fait, j'ai continué, j'ai envoyé, je me balade en septembre. Novembre, ça a suivi en attendant. Le 6-9, j'ai sorti là, le 6-9 il n'y a pas très longtemps et tout donné, hein, c'est mon dernier clip. C'est-à-dire premier clip l'été dernier, quoi? Premier clip, ouais, l'été dernier. Ouais, bah c'est bien, t'as été actif du coup depuis. Ouais, j'ai gardé une certaine cadence et j'essaye d'envoyer régulièrement. Et toi, comment tu fais? Tu vas à quel studio? Tu fais avec quel clipper? Moi, je vais au studio Rexstar à Croix-Rousse. Et les clippers, j'ai fait Adamang. J'ai fait Adamang, j'ai fait Anoa pour Je me balade. J'ai fait Martin Gadjolet et Zafferigno, j'ai fait. T'as changé en fait, j'ai changé un peu. Et tu trouves que, je sais pas, est-ce qu'il y en a un en particulier, un studio ou un clipper avec qui tu t'es senti particulièrement bien? Franchement, franchement, je me suis senti bien avec tout le monde, ça s'est bien passé, tous les clips et voilà. T'as compris, c'est force à eux. Bon, tu connais Saint-Priest, mon ref. Ouais, Saint-Priest, BNB. Comme je t'ai dit, je suis jamais passé ici, je veux savoir si ici. Il y a des trucs différents des autres secteurs de Lyon. Les autres secteurs, franchement, frérot, c'est. Ouais, là, on est à part, nous, t'as. Voilà, je t'invente pas, Saint-Priest, on est à part, frère. Je saurais même pas te le dire. Voilà, on est à part, frérot. C'est par rapport à d'autres, t'as vu? À d'autres villes et tout. Il y a des trucs. C'est puissant, frérot. Ouais, c'est comment? Même ici, est-ce qu'il y a des. Je sais pas, des façons de parler qui sont différentes des autres secteurs, des. Il y a un mot, Boucham. On dit Boucham, en gros, t'es une Boucham. Et Saint-Priest, Boucham, en gros. Et il est Boucham, en gros, t'es un menteur. T'es une Boucham. Ah, ouais. Et c'est le mot qu'on dit, tu vois. La dernière fois que je suis venu, c'était l'année dernière, on va dire. Et depuis, le rap lyonnais, il a encore évolué, je trouve. Ouais, le rap lyonnais, il évolue de fou. Il y a beaucoup de talent à Lyon, de partout, frérot. Dans tous les quartiers, il y a beaucoup de talent, beaucoup de rappeurs. Voilà, ça fait que évoluer le rap lyonnais, justement. Il fait qu'évoluer. Avec le temps, il fait qu'évoluer, voilà. Frérot, ici, on est au plateau. C'est là où j'ai fait mon clip, Mon Sang. Et on était tous là et t'as les vues sur les tours et tout, t'as compris? Ouais, c'est carré, du coup. Ouais, c'est là. Et c'est comment ici? On fait des barbecues, on se pose. Ouais, c'est là. C'est ici, c'est un endroit tranquille, voilà. On se fait des barbecues, on se pose et tout. Et voilà, quoi, frérot. Là-bas encore, c'est Saint-Priest ou quoi? C'est tout Saint-Priest. Ah, là, t'es encore à Bel Air 2, dis-toi, frérot. Là, on va passer au City. Et voilà, frérot. Là-bas, c'est des autres quartiers de Saint-Priest, t'as vu? Ici, t'es à Bel Air encore.
Quoi, c'est divisé en 3 Bel Air. Ouais, Bel Air, il y a 3 Bel Air. Il y a B1, B2 et B3, frérot. C'est quoi en fait? C'est 3 quartiers différents, mais c'est collé. Ouais, Bel Air, on est très soudés, frérot. On est très soudés. Et là, actuellement, c'est le 2, du coup. Ouais, là, on est toujours au 2, ouais. Là, je vais t'emmener après, je vais t'emmener au 1, je vais t'emmener à Bel Air 1 et je vais t'emmener à Bel Air 3. T'inquiète, on va faire le tour. Ouais, on va faire le tour, frérot. Et du coup, je voulais te demander, frérot, un peu. Ouais. C'était qui les premiers rappeurs, on va dire, ici à Bel Air? Les premiers. Enfin, je sais pas, quand t'étais petit, est-ce qu'il y avait des. À Bel Air, il y a. Des anciens qui rappaient un peu ou quoi? Qui rappaient, frérot. Non, pas sur Bel Air. Il y avait Deco. Deco, il rappait. Menival, il rappait. Et voilà, hein. Sur Bel Air. Non. Il n'y a jamais eu de rappeur sur Bel Air, frérot. C'est la première génération de rappeurs, ça veut dire ici. Ouais, c'est la première génération. Non, il y a eu des rappeurs, mais peut-être, je sais pas, ils rappent entre eux, peut-être. Je suis pas au courant, mais. Ouais, voilà. Ouais, peut-être. Hein. Ouais, là, on se rapproche du City. Et là, il y a les rats qui poussent, des fois, ça joue au foot. T'as compris? En détente. Bon, tu m'as dit, il y a des joueurs qui ont signé ici. Ouais, il y a des joueurs qui ont signé. Stéphane Jara, il est actuellement à Lorient. Et voilà, il évolue au poste d'attaquant, et voilà. C'est la fierté, voilà. Ahmed Guettaf aussi, c'est la fierté. Il y a du bon niveau ici à Saint-Priest. À Saint-Priest, oui, il y a un bon club. Le club de ma ville, wallah, c'est un très bon club là, Saint-Priest. Il y a beaucoup de talent ici. Pas que dans le foot, dans le rap, enfin partout. Wallah, il y a plein de talent, frérot. Ça va pas clipper ici. Ici, non, moi, j'ai clippé là-bas. Ouais. J'ai clippé là-bas, je vais t'emmener. J'ai fait mon premier freestyle Insta aussi là-bas, avec les rats. Il y avait les rats et tout, ils étaient là. Tu sais, au début, moi, je n'osais pas trop le sortir. Les rats, ils m'ont dit, sors-le. Tu sais, j'étais timide un peu, t'as vu. J'ai commencé par Insta, moi. J'ai envoyé un premier freestyle et voilà. Les rats, ils ont validé. Ils m'ont dit, sors-le, qu'est-ce que t'attends? J'ai sorti direct. C'était en quelle année, ça, gros? C'était en 2020, frérot. Ouais. Voilà, 2020, j'étais en première encore. J'ai sorti un freestyle et ça a bien marché, voilà. Je l'ai fait ici, sur la petite pierre, là, le petit banc, là. Okay. Juste là. Et c'est comment, au moment où tu l'as posté, ce premier freestyle, gros, t'as ressenti quoi? Bah... Est-ce que t'appréhendais un peu les retours? Ouais, j'appréhende. Non, même pas, je l'ai fait en mode à la cool. Je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, c'est que de la musique. Je vais envoyer le premier freestyle, on va voir ce que ça donne. Et Alhamdoulilah, il a bien pris. Et après, j'ai continué, hein, j'ai pris plaisir. Hein. C'est la passion, Alhamdoulilah. Premier clip aussi à la cool ou quoi? Le premier clip, stressé un peu, je t'en apprends. Ouais, stressé un peu. Il y avait beaucoup de monde en plus. Il y avait beaucoup de gens de Saint-Priest, de chez moi et tout. Wallah, ça veut dire que j'étais un peu stressé, mais finalement, après. Ça allait tout seul, t'as vu? Ça allait tout seul. Et après, avec le temps, les prochains clips, ça va tout seul après. T'as vu? Il n'y a plus de stress. Le meilleur clip, il est monté à combien à peu près? 300K là bientôt. Ouais, là il arrive à 300K. Beau, hein, ouais. Je t'attendais au tout début à faire ça en moins d'un an, gros. Franchement, je m'attendais pas. C'est venu comme ça. Mais il n'y a rien encore, hein, t'as vu? Il n'y a rien de fait, frérot. Il n'y a rien d'acquis, il faut du travail. Mais Alhamdoulilah, c'est quand même pas mal pour un début. Tu vois, parce que je suis venu dans le rap. Je suis sur YouTube, ça fait pas longtemps, vraiment, si tu regardes bien. Là, en ce moment, il y a un engouement pour le rap lyonnais. En ce moment, les gens regardent à fond. Ouais, il y a un engouement. Du coup, c'est comment, même dans la ville, est-ce que ça soutient bien, tu trouves? Ouais, Alhamdoulilah, ça soutient. Dans ma ville, déjà, Saint-Priest, ma ville, elle me soutient, elle est derrière moi. Voilà, ça fait plaisir, les grands, les petits, les gens de mon âge, tout le monde. Et à Lyon aussi, voilà. Je trouve c'est le bon moment là pour se lancer dans le rap à Lyon. Parce que à Lyon, ouais, y a tout le monde qui commence ouais, c'est à émerger, tant mieux. D'un côté, tant mieux. Plus il y a de rappeurs, mieux c'est. Chacun il peut avoir sa chance, sachant qu'il y a beaucoup de talent en plus. Comme je t'ai dit, à Lyon, il y a plein de nouveaux rappeurs, ça arrive fort, il y a plein de talents, voilà. Justement, tu reçois des messages, y a des gens qui te reconnaissent dans la rue ou des trucs comme ça un peu depuis ouais, le rap, ou ouais, un petit peu, ouais. Ouais, voilà, ça commence. Un petit peu. Ouais, ça fait plaisir, je te rends compte. T'as déjà reçu des plaisir, soutiens moi, un peu de en dehors de Lyon ou quoi? Ouais, j'ai reçu des soutiens DJ Kaze, tu vois. Ah, bien. Ouais, DJ Kaze, Justin Records, parce que je suis en label maintenant, t'as vu? Et voilà, ça fait plaisir. Hein. Et le label, ça s'est fait comment, gros? Comment t'as été approché? Bah, ils m'ont contacté, frérot, et voilà, hein. J'ai accepté direct. Alhamdoulilah, j'ai une bonne équipe derrière moi et ça travaille bien. C'est plus bien. Facile maintenant. Ouais, du coup, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup mieux. Ouais, mon ref, là, je vais te présenter mon gars, il rappe, Rapsco. Présente-toi, mon son. Moi, c'est Rapsco, je fais du rap, là, et j'habite à Saint-Priest. Et Taï, là, j'ai une chaîne Insta, j'ai commencé à balancer des freestyles. Avec un pote à moi, il est pas là, là, il va arriver. Il s'appelle Eji, on fait que de la drill. Voilà, que de la drill, Taï, et on va tout arracher, hein. Voilà. Juste à l'affût. Ça fait combien de temps que t'as commencé, gros? Ça fait 2 ans. Voilà, 2 ans, j'ai commencé à Prédris. C'est lui, là. Il a donné. Voilà. Ouais, voilà. Toi aussi, mon ref, t'as commencé après ou? Ouais, moi j'ai commencé il y a pas longtemps. En début d'année, là. J'ai envoyé quelques petits freestyles sur Insta. On envoie. Après, on a commencé sur YouTube pour de vrai, là. Ils sont bons, voilà. Voilà, ils sont bons. Voilà, reste à l'affût. Il y a du talent ici à Saint-Priest. Il y a du talent.
En plus, c'est sous-côté, on n'entend pas trop parler. Ouais, ça presse, ouais, c'est sous-côté un peu. Ça va arriver, ça va arriver fort, Inch'Allah. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ici à Saint-Priest, il commence à avoir énormément de rappeurs et d'autres styles différents au niveau de rap. Ça veut dire qu'il y aura type drill, il y aura type ambiançant, type kickage. Et là, après, ça commence à évoluer, quoi. Du coup, toi, t'es plus dans la drill. Ouais, toi, t'es dans quoi, à peu près, toi? Kickage, moi. Ouais. On est tout terrain, on peut tout découper. Oh là, les aspects. T'as aussi un peu de tout. Moi, un peu de tout, sauf la drill, frérot. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué sauf aussi. Sauf la drill, j'aime pas. Pourtant, Lyon, la drill, c'est. Ouais, mais à Lyon. C'est un bon mouvement à Lyon, quand même. Tu vois, mais moi, je trouve, si tu sais t'y prendre, si tu sais en faire, ouais, fonce. Mais frérot, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, c'est pas fait pour moi, personnellement. J'ai déjà essayé, j'aime pas. Tu vois, j'arrive pas. C'est vrai que j'ai remarqué, on dirait, il y a deux types de rappeurs à Lyon. T'as les mecs en mode drill et tout, puis t'as les gars qui ambiance, qui sont comme ça, vrai. La Joule un peu, on va dire. C'est exactement, c'est ça. Moi, c'est type Joule un peu, t'as vu. Plus type Joule. Et c'est quoi qui s'écoute le plus à Lyon, par exemple? À Lyon, bah, ça dépend. Tout dépend du public. Enfin, ça dépend. Moi, j'aime bien les sons ambiancés, tu vois, qui ambiance et tout. Après, ça, tout dépend des gens, en vrai. Les gens, il y en a qui aiment la drill, hein. Il y en a plein qui aiment la drill. Ça dépend, frérot. C'est comment, frérot? On a Bel Air 2 toujours ici? Toujours Bel Air 2, frérot. Ouais, c'est grand quand même. Hein. Ouais, c'est grand. Toi, ça fait combien de temps que t'habites ici, gros? Moi, depuis tout petit, frérot. J'ai grandi ici, depuis tout petit. Ça veut dire, gros, la question habituelle un peu aussi. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir ici? Mon meilleur souvenir, c'est les émeutes, frérot. Ah ouais? C'est les émeutes en 2019. Ah, c'est... c'était pourquoi d'ailleurs, ça? C'était parce qu'il y avait des... Il y a des rats de mon quartier, ça leur faisait des bavures. T'as vu, les decks, ils leur faisaient des bavures. Ça fait, on s'est révoltés un peu. On s'est tous révoltés. Ça les a tous caillassés. Ça faisait des émeutes, ils finissaient par lancer des flashballs, ils finissaient par gazer, et voilà. Et les decks ici, ils sont comment, gros? C'est des enfoirés, ils sont chauds. Les decks, c'est des rouilleurs, frérot. C'est des putains de rouilleurs, ils ont rien à faire. Ils ont rien à faire, frérot. Voilà. Après, moi, j'ai pas de problème avec la police, alhamdoulilah, frérot, t'as compris. Voilà, je fais ma musique, je fais mon travail, et voilà. Frérot, ici, c'est où j'ai clippé en attendant. Ouais, c'était là, ouais. Ouais, en bas du bat et tout. Là, il y a un sahab à moi, ils sont venus en scooter, tac. Je leur ai passé un sac de salara, on s'est barré. T'as compris, c'était une petite mise en scène. Et voilà, c'était là, à la 106, frérot. C'était tout le premier clip avec une petite mise en scène ou quoi? Non, moi, j'ai toujours fait des petites mises en scène dans mes clips. T'as vu, j'ai toujours fait ça, et voilà. Là, frérot, on a bien... Ouais. Là, on a Bel Air 1, il y a des Hanout, coiffeurs, t'as compris? T'as clippé que à Bel Air 2 ou t'as fait un... Non, j'ai fait à Bel Air 1, j'ai fait derrière les bâtiments là-bas, j'ai fait un freestyle Insta, j'ai filmé un freestyle Insta, freestyle braquage, et voilà, frérot. Le 6-9 aussi, le 6-9, j'ai clippé vers les tours là-bas. Ouais, justement, le 6-9, c'était quoi l'objectif du son? C'était de représenter bien Lyon, t'as vu? C'était de représenter ma ville, je voulais représenter ma ville, tu vois. C'est vrai que je trouve les Lyonnais... Mettre de l'importance sur ça, sur représenter le 6-9. Ouais, bah ouais, faut le mettre en avant. Il est mis en avant en soi, parce que t'as vu, c'est... Maintenant, actuellement, il est mis en avant. Mais on est fiers, nous, on a une fierté, Lyon, t'as vu. T'as vu, les Lyonnais, on a une fierté à part. Alors moi, du coup, de retour au City. Ouais, de retour, hein. Avant de terminer, je voulais te demander, qu'est-ce qui va arriver un peu pour la suite, là? Il y a du lourd qui arrive, je t'avoue pas, il y a plein de nouveautés, plein de lourd qui arrive, Inch'Allah. Restez branchés, je vais pas en dire plus. C'est carré, frérot, dernière question. Ouais. Je pense que tu attends. Celle-là, c'est la même dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée? L'Olympique Lyonnais. Ah mon gars, t'es un tueur, toi. Et le Barça aussi. Et le Barça. Visca Barça. T'es un tueur, mon ref, c'est quoi? Je suis un grand fan de Lyon et du Barça, frérot, depuis tout petit. T'es un bon écordin, je crois bien. T'es aussi Lyon? Moi aussi, bien sûr, Lyon, mon gars. Impeccable. Bien sûr. C'est quoi tes réseaux, frérot, qu'on suive aussi? Moi, les réseaux Instagram, dravis.officiel. Sur YouTube, dravis.officiel aussi. Tout en minuscule. Et sur Snap, dravis.belair. Tout collé. Tout est bon, alors merci mon ref. Hein. Merci à toi mon ref, voilà, merci. Je vois les rats conduire sans permaf dans des vagues au courir après des plans ou après une perte de bézoul, c'est différent car t'évitera de te faire blesser. Parce que dans l'argent y'a pas de sentiment, rouillard, tu peux qu'encaisser. Tout mon quartier sous tension, faut faire attention à tes fréquentations. La plupart te racontent des mensonges, qu'est-ce que tu croyais, c'est réel. La rue c'est cruel, ça traite derrière dans une ruelle, cagoulé comme calage criminel.